situation assez inattendue. Jean-Claude, quand vous tournez des scènes de combat, puisque ce sont quelques-unes des scènes qui nous ont beaucoup marqué dans les derniers films, est-ce que vous prenez des coups? Non, mais j'en donne. Parce que c'est toujours moi qui gagne les combats, comme donc je joue le héros principal. Mais disons qu'en général, on ne se blesse jamais, puisqu'il y a une distance qui se fait donc, entre les deux combattants, et aussi les angles de caméra donc, donnent une certaine notion de contact, mais il n'y en a pas, presque jamais. Presque jamais. Donc quand on vous a vu blessé, vous avez tout ça, c'est un peu du cinéma. La confiture, oui. Logique, hein, parce que vous avez fait, dans les films, vous avez fait des combats très durs. Quel est votre meilleur souvenir au cinéma pour le moment? Je crois que, point de vue technique, mon premier film, Bloodsport, point de vue technique de karaté, disons, est devenu une légende dans le monde du karaté avec The Dragon of Bruce Lee. Mais mon meilleur film, je crois, était Double Impact, et mon tout meilleur, c'est le nouveau qui va sortir. C'est lui qui va sortir, et dont on verra quelques extraits tout à l'heure. Point de vue donc acteur, et point de vue budget, lumière, et puis musique, tout ça. On peut dire qu'au début, dans vos premiers films, vous étiez encore un sportif, et que maintenant, vous êtes un comédien, un acteur. Comédien et toujours sportif, j'adore entraînement. Racontez-nous comment vous avez convaincu pour la première fois les producteurs ou les gens qui faisaient le casting, je ne sais pas, de vous prendre. Oh, c'était très dur parce que bon, disons premièrement, ils ont tellement d'acteurs au USA qui parlent très très bien la langue anglaise. J'étais, disons, inconnu au bataillon. Et c'est à force donc de parler aux producteurs, agents, directeurs et de pousser que pour finir j'ai eu la chance avec Bloodsport. Et une chance encore que Bloodsport ait fait donc un succès, sinon j'allais mourir en vidéo et puis ben, c'était fini, c'était le retour vers la Belgique. Ouais. On m'a dit qu'un jour vous aviez convaincu, on m'a dit, j'ai lu, que vous aviez convaincu un producteur en faisant un espèce de kata dans son bureau, ou des gens de chez Canon, je sais pas exactement. J'ai dû me vendre physiquement, alors j'ai fait un grand écart entre les deux chaises et je l'ai regardé, j'ai dit je suis pas cher, tu peux faire beaucoup d'argent, tu vas faire le film maintenant. Et il m'a donné donc ma chance dans Bloodsport, ce qui était super. Ouais, ça c'est des souvenirs forts que vous allez garder longtemps. Inoubliable, parce que pendant 6 ans, donc c'était très très dur, comme on dit en France, j'ai beaucoup ramé, et puis la lumière, donc je l'ai vu tout au bout du tunnel, et le film a commencé, Bloodsport, à Hong Kong, et qui a été fait pendant 6 semaines, et c'est un film qui a coûté $1,5 million pour le faire, ce qui est vraiment très 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 bas. Votre vie est totalement changée maintenant, si vous regardez 6 ans en arrière. C'est incroyable. Elle est belle. La vie est belle. Ouais. La vie est belle. Et même si on n'a pas encore réussi, si on a la santé, on a les mains et les pieds, la vie est belle. Parce que disons que l'argent, si j'aurais pensé à l'argent pour le cinéma, j'aurais jamais réussi dans le cinéma. C'est un métier où c'est tout ou rien et vous vraiment aimer le cinéma pour réussir dans le cinéma. Pieds et poings, vous disiez, eh bien, pieds et poings, là, il va en falloir, Jean-Paul, parce que c'est déclaré vainqueur de ce combat. Donc, avant le grand choc de cette soirée, Kaman Rufus, on va parler un petit peu cinéma, Jean-Claude. Alors, vous nous disiez que vous venez juste d'achever un film, peut-être votre plus grand. Je crois que ce sera le plus grand, pour sûr le plus grand. Le plus grand par rapport au précédent. Alors, quel est le sujet exactement de ce film, avant qu'on envoie quelques images? Un sujet très simple, c'est un groupe de soldats donc, qui sont morts à la guerre du Vietnam et qui ont été donc réanimés 25 ans après. Et qui sont, disons, à moitié humain, moitié machine. Et un de ces soldats donc, se réveille avec son flashback et sait qu'il est mort il y a 25 ans et veut juste retourner à la maison. Et ce qui se passe, c'est que c'est le rôle principal. Donc il y a beaucoup d'action, beaucoup d'explosions, la grande mise en scène. C'est un grand film à la production hollywoodienne. J'ai tout à fait perdu mon français, moi. Il faut corriger, hein. Voilà, on va. Est-ce que avant de le lancer, je crois que Jean-Claude qui va saluer, merci. Et puis on va lancer un extrait de film. Jean-Claude qui va se lever. Après le match. Après le match, comme je le souhaitais. Mais avant le match, mais c'est pas grave, regardez Jean-Claude Van Damme. Ovation fantastique de Bercy. Oh, regardez, il sait toujours faire ça. Il est fantastique, Jean-Claude, toujours pas de démonstration au top. Oh, il passe sa jambe au-dessus du...
piqueur, ça dit la louche. Et voilà Jean-Claude. Je vais l'expliquer à Samy qui dit, explique à notre speaker. Vous êtes tous en direct avec nous. Voilà. On va baisser un petit peu la lumière. Voilà, on va baisser un petit peu la lumière. Et regardez maintenant sur votre écran. Et pour la première fois, l'extrait donc du prochain film de Jean-Claude. Regardez, c'est parti, 2 minutes. Ça va être fantastique, avec le son bien à fond, nous a dit Jean-Claude. Voilà, c'est parti. Le prochain mandat. 20 years ago, they gave their lives for their country. Now, they've been brought back to life. They created the ultimate soldier. Give them the serum. Engineered for maximum strength and total obedience. Who are these guys? But something has gone wrong. GR-44, stop. That is an order. Merci de mieux nous avoir fait connaître. Et maintenant, on va enchaîner avec donc